Joyeux anniversaire. Oh, Béa. Oh, chérie. Oh, mais c'est la dernière braguette à tourbillon. Fini les oublis de remontage. Oh, mais ma chérie, mais tu es folle. C'est... Oh là là, mais quelle élégance. Quelle finesse, quelle perfection. Arrête, je vais finir par être jalouse d'une montre. Attends. Je te la règle sur la mienne. Alors, 16 mars 95, 22h40. Toute ma vie, je me souviendrai de ce moment. Tu sais pourquoi? Non, je sais rien. Devine? Ben non, je sais pas. La montre est magique, c'est ça. À toi de me le dire. Je veux me marier, Julien. Avec toi. Cette montre, c'est mon alliance. Se marier. À la mairie, avec les gens, à l'église. Pour l'église, on verra. Pour faire plaisir à ta mère, peut-être. Mais je t'aime. Je veux fonder une famille avec toi. Mais moi aussi, tu sais bien que je suis pas à l'aise avec les décisions soudaines, comme ça. Mais ça fait 4 ans qu'on vit ensemble. Oui, mais qui dit famille, dire un jour enfant. Tu imagines si l'héritage de ma génétique... T'en auras 2 sur les deux. Ou 3, c'est des jumeaux, on sait jamais... Julien, je suis enceinte. De qui? De moi? Non, de l'ange Gabriel, Julien. Mais... Comment on va faire? Bah on va suivre la notice d'utilisation. C'est pas une montre, c'est notre enfant, putain. Mais chérie, comment c'est possible? J'ai toujours mis des préservatifs. Mais tu sais très bien que les accidents, ça arrive. Ma zette. J'étais moi-même un accident. Alors l'accident d'un accident, tu vois ce que ça pourrait donner? Mais je croyais qu'on le voulait, cet enfant. Mais oui, mais je... Enfin, moi, je suis pas prêt comme ça à être père en 5 minutes, pas tout de suite. Mais il va falloir que t'arrêtes de fuir un jour. Ta vie, c'est pas comme tes aiguilles. Faut sauter le pas, parfois. Écoute, Béa, je... Laisse-moi. Béatrice. Oh, t'es qui toi déjà? Ton prénom, mec, c'est quoi? Ouais, qu'est-ce qui se passe là, chérie? Chérie? Oula, mollo. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Tout va bien, là, c'est... T'es encore plus chétère que moi. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est mon téléphone, mec. Y'a pas de fil. Tu veux dire le chargeur? Béatrice. Non, moi c'est Lucille. Béatrice, c'est ma mère. Je t'en ai parlé hier soir. Ta mère, c'est Béatrice. Ton père s'appelle comment? Mais t'es qui, mec? T'es du KGB ou quoi? Mon Rob, je sais pas qui c'est. Il s'est barré il y a 25 ans. Quel beau salaud! Enfin, je sais pas. Oh, mazette! Même cette boule d'opale a survécu! T'as rencontré Michel et Julien hier? T'es maman bébé comme il est beau! Bon, et ton prénom, mec?
Tu m'as toujours pas dit. C'est Julien. Ok, Julien. Bon, j'ai besoin d'un café, moi. Toi aussi, non? Oui. Du café. Mais non, non, le café c'est mauvais pour la santé. Ça peut déclencher des troubles cardiovasculaires. Et puis chez les femmes, c'est encore pire. Hein. Les fausses couches, les malformations, c'est... T'es pas du KGB, mais t'es médecin alors. Bilan en France est de 860 morts et près de 20 000 malades en si peu de temps. Les urgences explosent. Un portage à Colmar où il n'y a plus une seule place en Lucille. Je fais de la tachycardie là. Donne-moi n'importe quoi, un Xanax, un Temastas, un Valium. J'ai un Wynch si tu veux. Après, si tu veux vraiment du Xanax, je peux toujours demander à ma mère de passer. Non, surtout pas. Enfin, je veux dire, vaut mieux qu'elle reste chez elle. Relax, mec. C'est pas comme si j'allais te présenter. Puis t'as de la chance, je crois qu'elle me fait encore la gueule. C'est bien ça. Mais c'est le Marie-Rodet que t'es là. Mais tu sais que ça a des effets néfastes sur la capacité cognitive, et puis ça peut engendrer aussi également de l'arythmie. Mais tu fais vraiment médecine? Je fais malade, c'est pareil. Ta mère, elle sait que tu fumes? Oui, bon, j'ai plus 15 ans, papa. Tu fumes depuis l'âge de 15 ans, c'est... Bon, allez, il y en a marre, arrêtez quand même. Si tu veux partir, le corona te tend les bras. Non. Alors qui sait, t'as le mien? Non, attends, Moi, je préfère plus tard. T'as pas kiffé hier? Je préfère jamais. Ah, bah, tu sais parler aux meufs, toi? T'as une copine, c'est ça? Oui, enfin, non, enfin, c'est compliqué, c'est... Allez, détends-toi. Non, mais en fait, je l'ai impuissant. J'ai jamais mis d'impuissant dans mon lit, même à 3 grammes. Mais regarde, la boîte, elle est ouverte? Mais c'est pas à moi, ça, c'est à mon coloc. Moi, je suis allergique au latex. Hein? Ma première règle, c'est jamais de capote. Mais t'inquiète, je prends la pilule. Non, mais la première règle, c'est jamais de rapport sans préservatif, enfin, c'est... Oh, jamais de rapport sans préservatif, enfin, hein. T'es encore plus relou que ma mère, en fait, hein. Avec ta morale de yeux. Tiens, la solution à tous tes problèmes. Oh, alléluia. C'est sinusite. Sinusite? Non, mais attends, c'est pas de l'aspirine, ça. C'est du Viagra. C'est juste pour que tu bandes. Je suis désolé, Lucille. Je peux pas faire l'amour comme ça en 5 minutes. Putain, je tire toujours le gros lot, moi. Oh, merde. Mais... C'est une Gérardini 1982. T'es un connaisseur, toi? Enfin, un peu de goût. Si je kiffais pas les montres, je serais presque jalouse. Mais t'aimes les montres, toi? Mais grave. Mais celle-là, j'ai galéré de ouf. J'ai fait tous les horlogers de Paris pour en trouver une manuelle qui me plaise. Pour ma mère, c'est juste un objet débile qui fait des ronds, mais bon. Écoute, bien, Béatrice, c'est tout. Voilà, j'ai réfléchi toute la nuit et j'étais bête. Je sais que je peux être chiant parfois, je sais, je suis désolé, mais je veux tout. Je veux toi, Michelis, le mariage et la petite fille. Comment tu sais que ce sera une petite fille? Eh ben, j'imagine.